Selon le plan suivant, position de problème. Les hypothèses, donc la formation variationnelle, tu as une distance et une cité de la solution pour quelques degrés d'argent. Donc, notre problème, c'est un problème hydroviscoélastique. Les inconnus de ce problème, c'est le champ de déplacement B, le champ de contrainte sigma, le champ de potentiel électrique, et le champ de déplacement électrique, le champ d'endommagement au départ et le zéro bêta, tel qu'on prend bien. L'équation 1.2 représente loi de comportement hydroviscoélastique, 3 c'est l'équation de moment, 4 c'est l'équation d'équilibre, 5 l'inclusion de l'endommagement, 6 et 7 c'est les conditions de déplacement de traction, 8 c'est les conditions de déplacement, 9 c'est les conditions de l'endommagement, 10 c'est les conditions de déplacement de traction pour le champ électrique, 12 c'est les conditions initiales. Donc maintenant, on a utilisé quelques espaces pour les inconnus calculés et quelques espaces pour les inconnus calculés et calculés. Donc, on a quelques hypothèses, ou bien quelques. On peut mettre des hypothèses sur le domaine du problème D. Première chose, on peut mettre des hypothèses sur le domaine du problème D. A, il y a une chise, il y a peut-être des erreurs. On peut mettre des erreurs. Donc, il y a un peu plus de donc le concept de l'autorisation M est satisfait la relation 15. La fonction de l'endommagement S est plus G, c'est le plus misérable. Donc le concept de l'utilité C est satisfait la relation 17. Le concept de permittivité n'est pas satisfait la relation 18. La masse volumique est satisfait la relation 19. Donc on considère maintenant la fonction F des G définie par la relation 24. La fonction F est définie par 25. On dit la fonction F ou bien la suite suivante définie par la suite définie par 26. Une fonction volumique est une trace qui se passe de la densité, charge d'ici qui produit ses passifs, définie par la relation 20. On définit la fonction F de l'endommagement K définie par la relation 21. Donc les conditions initiales satisfont les conditions 22. La forme linéaire est définie par la relation 23. Donc on utilise la formule de Green. On a la progression variationnelle suivante. Le problème initial devient un problème variationnel, c'est-à-dire qu'on cherche la solution de ce problème. Donc, le champ de déplacement des inconnus de ce problème variationnel, c'est le champ de déplacement A, le champ de contrainte sigma, le champ de potentiel électrique, le champ de déplacement électrique B, le champ de dommage oméga et les yeux oméga. C'est quand même la relation de 27 jusqu'à 32. Donc, pour montrer l'existence d'une liste de notre problème variationnel, on a un étudiant suivant, supposons que les hypothèses définies activement sont vérifiées, alors le problème variationnel admis une solution de régularité suivante. De régularité 33 jusqu'à 38. Donc, pour montrer l'existence de la solution de notre problème variationnel, on passe sur plusieurs étapes. Première étape, soit j'ai appartient à l'habitude de TD et appartient à l'habitude de TD. Des fonctions données, on a trouvé le problème auxiliaire souvent, le problème défini chez EPA. Tel qu'on cherche le champ de déplacement végétal, tel qu'on a des inégalités, 39 et les conditions initiales à 40. On pose un champ de variable I point égal à B. On trouve le problème auxiliaire qui dirige l'EPA. On cherche le champ de déplacement végétal, EPA, tel qu'on a des inégalités 41 par B. Maintenant, on utilise la dérivée au sens de Fréchet. On trouve le problème suivant, car on montre l'existence aussi de ce problème. Il s'est démontré que l'opérateur A, ce qui est montré que l'opérateur A est un ligne continue et non grand. Directement, notre problème à l'auxiliaire qui est GEPA a mis une solution de l'inégalité 40-45. Donc, deuxième étape, on utilise l'inégalité résultante, ou bien l'inégalité résultante induite après l'utilisation de la de Fréchet, on trouve une égalité 47, donc l'existence
de la solution de l'égalité de problème par la scène, est-il conséquent de l'existence de la solution de problème définie critiquement, qui vise l'État? Donc, pour l'existence de la solution, on utilise les mêmes techniques. On suppose qu'on a deux solutions B, A et B2. Et on utilise l'inégalité 46. On trouve l'inégalité 47. L'inégalité 47 est une somme de deux nombres positifs, donc automatiquement dans la lucide. Maintenant, on utilise l'IGF et obtenu précédemment. Donc, pour trouver l'existence de la solution de problème B et G, on utilise la relation 48, c'est-à-dire l'existence de problème, l'existence de la solution de GFA, et le même principe. Troisième étape, on considère l'opérateur lambda défini par la relation 49. Donc, l'opérateur lambda a bien un point fixe unique, G est paramétré par le 0 TV. Donc, pour montrer que lambda a bien un point fixe unique, il suffit de montrer que l'application lambda P est une convexe. Quatrième étape, en utilisant la solution IGVA, appartient à C1-0-HTW1-2-0-TV-inter-W2-0-TV, c'est-à-dire obtenu précédemment de l'EL2, pour constater le problème auxiliaire, problème PDIGVA, concerne l'inconnue électrique. Donc, on recherche son potentiel VGVA, tel qu'on a la relation suivante. On utilise pour la première chose pour montrer l'existence risque de la solution. Le problème PIGEPA, qui n'est pas la l'égalité suivante. On utilise la représentation de l'esprit pour définir l'opérateur AGEPA, définie par ce continent. Pour montrer l'existence, il suffit de montrer, que l'opérateur A est fortement volontaire de réussir avec le problème précédemment. VGVA a mis une solution VGVA qui satisfait la régularité du numéro 35. C'est que VGVA concerne le endommagement. Donc, on a le problème VGVA, l'inconnu de ce problème, si l'on demande le numéro VGVA, défini par l'égalité seconde 3 et seconde 2, et les conditions initiales seconde 3. Pour montrer l'existence de ce problème, il suffit de montrer que la formulaire A1 il continue ici, directement le problème PVV a bien une solution, B par V, qui satisfait la régularité définie par 37. Donc, maintenant, on considère l'opérateur lambda défini par 54 jusqu'à 56. On utilise donc l'opérateur lambda a bien un point fixe unique. Donc, pour montrer que lambda a bien un point fixe unique, on utilise la même technique. C'est-à-dire on montre que lambda P est une contraction, ce qui gagne ce qui donne plutôt que lambda avec un point fixe. Sixième étape concerne le retour lucide. On considère l'opérateur R défini par 57. Donc l'opérateur R défini par 57 admet un point fixe unique W étoile, c'est-à-dire R W étoile de la delta étoile. C'est la même technique, c'est la même chose. Il suffit de montrer que lambda P est une contraction pour montrer que R admet un point fixe. Maintenant, on a tous les ingrédients pour montrer l'existence unistique de la solution de notre problème initial. On commence par l'existence. L'existence est une conséquence de l'existence de la solution du problème PIGEPA, PIFIGEPA et PIFIF. Mais c'est une unicité, c'est une conséquence de. L'unicité des points fixes des opérateurs lambda et lambda R et RGP précédents. Donc, on termine notre travail avec le premier tableau. Merci.